Bonsoir mes poissons, c'est Nati. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien de tout mon cœur. Alors, on va regarder un petit peu ce que j'ai pour vous. Vous ne prenez que ce qui vous parle, bien entendu. Faites preuve de bon sens. Et puis, je tenais à vous remercier pour tout, 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 tout. Les likes, les émoticônes, les commentaires, tout, tout, tout. Les, comment on appelle ça, les abonnements, pour ceux qui sont abonnés, ceux qui vont s'abonner, il y a la petite cloche, il y a l'encoche, là où il y a écrit tout, on clique dessus s'il vous plaît, et comme ça, vous aurez la notification. Allez, let's go. Qu'est-ce que j'ai pour mes poissons? Solaire, lunaire, Vénus, ascendant. La clé, la solution, hein. On aura la clé de la voiture, la clé, on loue une voiture, une location, on aura la clé d'une habitation, d'un appartement, d'une maison, achat ou vente. Peut-être que vous achetez, on ouvre la porte, ou on vend, donc on ferme la porte et on donne la clé à quelqu'un d'autre à qui on vend. Ça peut être les locations, mais c'est la solution aussi. Et on vous dit, tout peut arriver dès que vous êtes conscient et consciente de votre potentiel. C'est vous vous libérez aussi parce que vous allez vers mieux. Il y a une élévation parce que là, ça y est, vous avez compris votre valeur. Et donc, on va s'élever, hein, d'accord? L'élévation, peut-être vous changez de service, de poste, ou de travail, ou de voie, ou autre chose. Il y en a certains, vous allez vous libérer, hein, d'accord? On se débloque complètement, hein. Les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Lâchez prise, l'univers vous a entendu, va vous aider. Si vous avez la foi, et oui, c'est le 8, je reçois, je donne, je reçois. Donc ayez foi en vous, en ce qui vous attend, ce qui est prévu pour vous, hein, dans l'invisible. Pour d'autres personnes ici, on vous parle d'apprentissage, de formation, d'études, peut-être pour un enfant aussi, hein. Est-ce qu'un enfant, on cherche un appartement? Est-ce que pour un enfant, est-ce que aussi, est-ce que, même s'il est grand, hein, l'enfant, est-ce que, y a un enfant qui nous quitte? Mais qui reviendra, mais il y a du changement, hein. Pour d'autres, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant et confiante, hein, d'accord? Malgré que, alors pour certains, on a essayé de vous déstabiliser, on vous a mis des bâtons dans les roues, hein, d'accord? Pour que vous ne réussissiez pas, ou alors pour vous bloquer. Le plongeon, c'est. Ben, j'en voulais que 3, c'est pas grave. Le plongeon, c'est magnifique. Bon, là, les émotions sont quand même touchées, le mental aussi. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Ben, c'est la vérité, vous ne la trouverez pas, hein, ce que je vous dis souvent. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider, mes chers amis. Et on a le plongeon. Courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. C'est magnifique. C'est merveilleux. Certains faudra retenir les leçons là de ce qui vous arrive pour plus reproduire, vous voyez que ça vous arrive à nouveau. Protégez-vous, hein, mes chéris, hein. Il y en a qui vous culpabilisent, qui vous montrent du doigt, qui vous intimident. Ouais, qui vous rabaissent, ils sont jaloux, méchants, mauvais. Bon, il y a quelqu'un, protégez-vous, parce qu'en plus, là, vous avez un bon verdict, hein. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là?
Envoyez-leur de l'amour. Occupez-vous de vous. Occupez-vous de vous. Tournez-vous vers vous. Recentrez-vous sur vous, votre vie. Prenez de la distance avec ces gens-là. Ne perdez pas votre temps avec ces gens-là. Et vous êtes amour de toute façon. Et certains et certaines, il y a des contrats, il y a de l'argent et les verdicts. Ça peut être qu'on trouve un travail, ça peut être une histoire de notaire, d'héritage. Ça peut être beaucoup de choses à vous de voir. J'ai quelqu'un qui est jaloux de votre couple. Qui aimerait bien l'échec. Il vous faudrait une bonne protection. Hein. N'hésitez pas, soin ancestral, voilà. Vous l'avez le soin ancestral sur mon site natinatura.com. Alors, ça peut être des actions en justice par rapport à des biens ou l'argent. Contrat, fiançailles, mariage, événement, fête. Alors, on peut s'inquiéter un petit peu, se faire des idées. Pour d'autres, vous quittez un travail pour un autre. Pour d'autres, vous allez passer sur de l'autre côté. Vous réfléchissez, vous prenez le temps et vous regardez. Là, on va faire un bon choix ici, hein, d'accord? Mais ça vous fait peut-être peur, vous voyez, les poissons. Les communications. Ou alors, il y a quelqu'un qui vous annonce, bah, je m'en vais aux États-Unis, je m'en vais en Russie, en Afrique, je ne sais pas. Je m'en vais au bout du monde, enfin, ça peut être ça aussi, hein. Bon, les communications, négociations, conciliations, elles sont bonnes. On a l'agnac et on a la récolte. Ici, on démarre quelque chose de nouveau et on est déterminé. On part à l'assaut et puis vous savez quoi, vous avez double récolte. C'est bon ça, hein? Alors, soit vous utilisez cette récolte pour un projet, pour quelque chose, d'accord, un projet ou un objectif, quelque chose, ou alors, eh bien, vous finissez par récolter. À vous de voir ce que c'est. Mais c'est positif, hein. Ça revient à quelqu'un qui a fait de la magie noire. Comme en dessous. Pour qu'il y ait un échec dans ce couple-là. Parce que ce couple est amoureux. A des enfants ou a envie d'un enfant. Et j'ai quelqu'un. Certains, vous allez m'appeler, hein. Grossesse, naissance, le cadeau. Peut-être que un des deux
a eu des rapports intimes avec cette personne, il ou elle, hein, bon, y a, pour moi, il y a les deux polarités, et a fait de la magie noire, de la sorcellerie. Et à ce moment-là, il y a le soin ancestral, ce qui sert à plusieurs choses au cas par cas. À ce moment-là, il faut annuler le travail et la demande qui a été faite. Et vous voyez, ça a été fait dans un pays. Ou alors, dans un pays. Ou alors. Ou alors, on a demandé à quelqu'un. C'est quelqu'un d'étranger. Mais on peut le résoudre. Bah oui, hein. Heureusement qu'on est là dans les quatre coins sur Terre pour enlever ça et annuler surtout. Hein. La méchanceté, la jalousie, la richesse, l'abondance, la joie sur ce couple. Et la personne, c'est ça qu'elle veut. Hein. Elle veut le divorce. Alors, est-ce que c'est une ex ou un ex qui ne supporte pas aujourd'hui de vous voir heureux ou heureuse? Et vous adapter, puisque les énergies sont interchangeables. Qui est qui, hein? Mais là, il y a quelqu'un qui ne supporte pas, qui veut cette rupture, ce divorce ou cette rupture au niveau de ce couple magnifique, merveilleux. Ou alors, quelqu'un fait de la sorcellerie pour qu'il y ait la rupture dans ce couple et pour que l'un ou l'autre, la personne désirée, vient à lui ou à elle, hein, d'accord? Pardon. Alors, cette personne, elle se dit, bah, puisque, alors ça peut être une ex ou un ex, hein, qui a fait cette sorcellerie-là, ou alors, c'est une personne où il s'est passé quelque chose. Ouais, ou alors, ça peut être une ex ou un ex qui a été quitté aussi. Hein, qui a été quitté. Et, mais en tout cas, cette personne, elle s'est dit bah, qu'elle allait le faire puisque elle était dans le chagrin, mais ça ne justifie en aucun cas de forcer, de faire de la méchanceté diabolique. Pour bloquer le cœur de la personne qu'on veut, qu'elle n'aime plus, en fait, hein, d'accord? Et au niveau de la santé aussi, hein. Ouh là là, qu'est-ce que cette personne, elle est rancunière. Elle veut la rupture, écoutez. Hein. Pour d'autres, ici, il y a une triangulaire, d'accord. Il y a quelqu'un qui subit la rupture, qui est dans le chagrin et qui... parce que l'autre, il ou elle, a rencontré une tierce personne et il pense à la grossesse, à la naissance, au projet et tout. Et là, on a des sentiments et on est bloqué. Faut se faire aider ici. Et d'autres, bah, je vous dis, hein, cette personne, il ou elle a fait la magie pour la rupture, hein, ça revient de toute façon. Hein. Voilà, bah vous prenez bien que ce qui vous parle, s'il vous plaît. Et puis, par contre, ici, j'ai quelque chose de magnifique. Ouais, on a des pensées pour le bébé.
peut-être pour la chambre, pour la poussette, pour plein de choses, vous voyez, le transat, les meubles, tout ça, quoi. Le petit lit, la petite armoire, la petite commode, enfin tout ça. C'est magnifique. Il y a de la fête là. Il y a quelqu'un qui va fêter. Alors, soit vous allez être invité ou vous allez inviter. Mais ça peut être une belle attablée, hein, vous voyez, après, ça peut être la famille qui se rejoint et tout ça. Bon, bah écoutez, je vous souhaite le meilleur. Et si vous avez besoin de moi, bah, vous avez tout en dessous de la vidéo. Et. Ah non, attendez, excusez-moi. Ah, j'ai oublié. Le Yeking. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Après l'accomplissement, l'heure n'est plus aux grandes avancées. Tout est accompli et l'essentiel est fait. Pour ne pas compromettre votre succès, soignez ces petits détails qui font toute la différence. À cette étape délicate, la persévérance est essentielle. Soyez méticuleux et terminez ce qui est en cours et ce que vous avez commencé. Ne considérez rien comme acquis. Oh ben oui, il n'y a rien à 100%, hein, ça c'est clair dans cette vie. Vos succès futurs en dépendent, mes chers amis. Ne vous laissez pas aller et ne vous endormez pas sur vos lauriers, hein. Ce n'est pas le bon moment pour lancer de nouveaux projets. Ben là, il faut être dans l'effort, dans l'organisation, dans la production, dans tout ça. Mettre de l'argent de côté aussi. Et après, vous allez vous accomplir, hein, d'accord? J'ai l'abondance. Personne ne l'a eu. Personne, personne, mes poissons. De toute façon, on l'avait, hein, en dessous. Vous vous souvenez ou pas? Ou vous avez déjà oublié? Eh bien, je vais vous rappeler. Ici, on avait à l'abondance. On a la récolte, on a la. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Un choix. Quelque chose qu'on va aimer. On a l'argent, on a l'argent. On a ici. Comment ça s'appelle? Le 7 de la récolte, le 9, on est comblé. On démarre quelque chose. Je l'avais pas ailleurs, tiens. Bon. L'abondance, cet hexagramme, c'est ça, annonce une opportunité bénie des dieux. Oh, soyez bénis, mes amours. Et de grandes réussites. C'est un temps d'accomplissement, de prospérité et d'abondance. Vous récoltez, d'accord? Les fruits de vos efforts passés, restez vigilants, vigilantes, pour ne pas perdre la tête. Non, pas la tête, excusez-moi. Pour ne pas perdre le bénéfice, n'entamez rien de nouveau. Cultivez ce qui est présent. Après l'apogée, le déclin s'amorce. Avancez donc sereinement et souvenez-vous que rien ne dure toujours. Ben voilà, ça revient, hein. Savourez l'instant et préparez la suite sans vous endormir sur vos lauriers, ni vous accrocher à ce qui a été. Et deux fois, vous avez les lauriers. Bon, vous allez être dans l'abondance, faudra quand même en garder un petit peu de côté. Vous savez, c'est un peu comme la cigale et la fourmi. D'accord? Donc, faudra mettre de côté. Vous allez récolter, hein, mes amis. Hein. C'est l'abondance. Hein. Bon, bah, si vous êtes la seule personne qui a eu cet hexagramme, cette carte-là, et 5 plus 5 est égal 10, c'est égal 1. Donc, le 1 chez le magicien, on démarre quelque chose de nouveau. Et c'est la construction, c'est le début d'une nouvelle ère. C'est le début d'un nouveau cycle aussi. Voilà. Donc, c'est aussi le leadership retrouvé. Vous allez retrouver votre leadership. Bon, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Gros bisous.